Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner le fameux et tant attendu flagship d'Honor qui est le Honor 8. Donc c'est tout simplement son dernier smartphone phare. Alors vous avez peut-être découvert en Europe et surtout en France le Huawei P9. Donc il faut savoir que Honor est une filiale de Huawei. Mais aujourd'hui, on va parler de la marque Honor et plus précisément donc de ce Honor 8. Alors il faut savoir que le Honor 7 avait été un smartphone très très apprécié de par la presse mais également les consommateurs pour ses spécifications assez haut de gamme et surtout pour un prix très attractif. Il s'est d'ailleurs très très bien vendu et aujourd'hui on se retrouve donc avec cette nouvelle version, ce Honor 8 qui arrive également sur le marché européen et surtout français. Vous allez voir un prix très attractif, je vous en parlerai dans quelques minutes et surtout avec des spécifications décentes qui vont un petit peu concurrencer certains smartphones haut de gamme. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc ce Honor 8 est tout simplement, comme vous allez le voir, doté d'une caractéristique assez exceptionnelle puisque vous allez retrouver un double capteur photo sur celui-ci. Et puis, il est surtout disponible à un prix de 399 € pour son premier modèle, c'est-à-dire le modèle avec 32 Go. Et puis, vous allez passer à 449 € pour le modèle avec 64 Go. Donc, vous voyez, on a vraiment un smartphone très, très abordable en dessous des 400 €. Et ça, c'est plutôt une très, très bonne chose. Donc ce Honor 8, tout simplement, je vais vous le présenter dans cette vidéo un peu de déballage et de prise en main. Alors il faut savoir qu'il vient juste d'être annoncé donc, à Paris. On est reparti donc avec ce modèle et donc cette vidéo est un peu tournée dans des conditions du direct puisque je suis ici dans la chambre d'hôtel. Donc on va faire très très simple, on va juste présenter un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Je vais découvrir en même temps ce qu'il y a dans la boîte. Concernant le smartphone, je vous présenterai un petit peu ses caractéristiques et ses quelques fonctionnalités. Mais évidemment, vous retrouverez une vidéo plus complète de ce smartphone par la suite. Donc voici la boîte. Donc on a une boîte blanche, comme vous pouvez le voir. On a quelques stries sur le devant, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. On a évidemment la mention Honor 8 sur le devant et à l'arrière on retrouve les spécifications du smartphone. Notamment ici on a le modèle, c'est-à-dire le coloris du modèle. Ici on a les informations sur le modèle, donc on est sur le modèle de 32 Go et de 4 Go de mémoire vive. Et on a également d'autres petites infos. Voilà, c'est tout ce qu'on a sur le packaging. Alors, il faut savoir que le modèle, cette boîte, j'ai juste de la recevoir, j'ai juste enlevé le petit film plastique autour, enlevé le petit autocollant en bas que j'ai eu du mal à enlever, et c'est tout. Donc vous avez vraiment ici le déballage complet tel que vous pourrez l'avoir chez vous. Donc, voici donc le contenu de cette boîte. Hop, je vais essayer de rééquilibrer smartphone. Donc on a donc notre smartphone qui n'est pas comme on a l'habitude de retrouver à plat dans la boîte. Ici il est posé de biais, donc c'est un peu une nouvelle façon de présenter le smartphone. Donc voici, je vais juste le mettre de côté pour le moment. On va voir ce qu'il y a dans le reste de la boîte. Donc il y a une petite languette, donc je vais la tirer. Et là on va retrouver donc différents logements comme ceci. Donc je vais déballer ce qu'il y a dedans, on va voir tout de suite ce qu'il y a dedans ensemble. Donc dans dans la plus petite pochette, on va retrouver l'éjecteur donc de carte SIM. On va retrouver les petits autocollants Honor, un petit peu comme Apple fait avec ses petites pommes. Ici on va retrouver donc les autocollants Honor. Et ensuite on a également ici le livret, donc qui est comme vous voyez qui est assez épais, qui est le guide de démarrage donc avec ce Honor 8. Donc j'imagine qu'il est traduit en différentes langues. Et puis on doit avoir le petit livret ici concernant la garantie. Donc ça c'est dans la première boîte. Et donc dans la seconde boîte ici, donc on va retrouver donc le câble. Donc c'est un câble ici donc USB traditionnel. Voilà, vous allez pouvoir le connecter donc, soit à une prise filière, soit directement à votre ordinateur. Et puis de l'autre côté, première caractéristique qui va être dévoilée par ce câble, c'est un port micro, justement, c'est pas du micro, c'est pas du micro USB, pardon, c'est USB type C, donc c'est la nouvelle norme définie par USB. Et donc c'est un câble que vous allez devoir commencer à vous y habituer à trouver puisque c'est un peu tous les smartphones adoptent cette norme. Ensuite, on retrouve donc des écouteurs
Pour le moment, vous voyez, je n'ai pas vraiment testé ces derniers puisque ils viennent juste de sortir de la boîte, donc je ne peux pas trop vous dire la qualité de ces derniers, mais comme on a l'habitude avec les smartphones, eh bien, si vous voulez vraiment une qualité d'écoute optimale, il faudra peut-être passer par un modèle vraiment haut de gamme et dédié au son. Et puis on a donc la prise de secteur, hop, ici, qui est compatible Quick Charge, donc ça veut dire que le smartphone eh bien, va pouvoir se recharger assez rapidement. On a dessus donc l'embout pour la prise micro, la prise USB, je vais y arriver, excusez-moi, et donc la prise de secteur. Donc voilà concernant le contenu de cette boîte, et c'est tout ce qu'on a en termes de eh bien, d'accessoires au sein de la boîte. Concernant le smartphone en lui-même, que voici. Hop. Donc ici on a donc le fameux film plastique devant, donc je vais le retirer. Donc il faut savoir que ce smartphone est donc commercialisé donc, en France. Dès à présent, vous allez pouvoir le retrouver sur certaines boutiques dont j'énumérerai la liste sur, dans l'article détaillé. En tout cas, vous allez retrouver donc ce smartphone en trois coloris, donc en bleu, blanc et noir. Pour être exact, dans les coloris, on va retrouver, donc que je dis pas de bêtises, du blanc perle, du noir minuit et du bleu saphir. Donc ici j'ai le modèle bleu saphir. Alors vous voyez peut-être pas à la télé, oula, j'ai des difficultés. Vous le trouvez peut-être pas à la caméra, mais en tout cas on a des reflets quand même bleus. Donc c'est le modèle tout simplement bleu saphir. Donc ce smartphone, en termes de spécifications. Alors, on va retrouver donc un smartphone avec une taille de 145,5 mm de haut, une largeur de 71 mm et une épaisseur relativement correcte puisqu'on est sur une épaisseur de 7,45 mm. Donc c'est plutôt fin. Je ne sais pas si vous voyez bien ici à la caméra. Donc, je suis désolé un petit peu pour les conditions d'éclairage. Je fais avec un petit peu les moyens du bord. Concernant le poids, on est sur un poids de 153 grammes. Donc c'est relativement correct une fois qu'il est en poche. Concernant les autres caractéristiques techniques, alors sous le capot, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va tout simplement retrouver un processeur Kirin 950. Alors ce processeur vous parle peut-être pas, c'est tout simplement un processeur qui est créé par la marque, donc Huawei, donc qui est propriétaire de ce processeur. Donc selon les spécifications que nous a annoncées lors de la conférence de presse, c'est un processeur quadricœur qui est cadencé à 2,3 GHz. Donc on a 4 cœurs, pardon, un processeur octocore, pardon, qui est cadencé à 4 cœurs à 2,3 et 4 cœurs à 1,8. Donc selon les tâches que vous allez effectuer sur le smartphone, vous allez également bénéficier de 4 Go de mémoire vive. Et enfin, concernant la capacité de stockage, en fonction du modèle choisi, soit vous allez avoir 32 Go plus un port micro SD jusqu'à 168 Go, soit vous allez avoir la même chose mais avec un stockage interne de 64 Go. Concernant l'écran, on est sur un écran de 5,2 pouces qui a une résolution Full HD, donc 1920 x 1080 pixels. On a une densité de pixels de 423 ppi, donc ça c'est plutôt sympa à l'œil. Et puis on est surtout sur un design avec un verre de 2,5D à l'avant et à l'arrière, comme vous allez le voir tout à l'heure. Et surtout on a une protection Gorilla Glass, donc qui permet de protéger un petit peu l'écran lui-même. Concernant les autres spécifications, eh bien, on va retrouver donc une connectivité Wi-Fi 802.11bgn. On va retrouver du Bluetooth 4.2, on va retrouver une puce NFC qui est compatible FIDO. On va également retrouver un capteur d'empreinte digitale, pardon, mais je vous montrerai ça juste après. Et puis on va retrouver donc le port USB type C en termes de connectique. Pour l'emplacement SIM, on va avoir du dual nano SIM ou du nano SIM plus du micro SD. Donc ça, c'est en fonction de vos choix. Donc vous allez pouvoir mettre deux cartes SIM dans ce smartphone et évidemment, vous allez bénéficier de la 4G LTE. Concernant la batterie, eh bien, c'est une batterie de 3000 mAh, donc logiquement, et on verra avec les tests, vous devriez pouvoir garder ce smartphone en autonomie pendant une journée. Mais ça, évidemment, un test détaillé permettra d'en savoir un petit peu plus.
Concernant l'aspect logiciel, on est sur du Android 6.0 et on est sur une surcouche qui est Emotion UI, qui est à la version 4.1. Voilà un petit peu concernant les spécifications du smartphone. Maintenant, passons un petit peu en revue celui-ci en termes de design. Alors déjà, on est sur un smartphone qui est plutôt chouette en termes de design. Vous allez avoir une façade en verre à l'avant et une façade également en verre à l'arrière qui est composée de 15 couches et dont Honor vante les mérites, notamment en termes de reflets. Vous voyez, on a plutôt des reflets assez chouettes avec la lumière. Alors malheureusement, comme vous pouvez le voir ici, la première chose que l'on peut constater, et pourtant j'ai pas mangé un Big Mac juste avant de faire cette vidéo, mais sur les modèles bleu, noir, j'imagine également, vous allez retrouver des traces de doigts. C'est indéniable sur le smartphone. Je m'en doutais un peu, c'est ce que je craignais. Évidemment, sur un modèle blanc, on n'aura pas la même problématique. Mais on a manifestement, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a vraiment des traces de doigts. Donc pour tous ceux qui aiment un smartphone assez propre, c'est assez dommageable. Et sur la face avant, on a la même problématique. Donc ça, c'est plutôt dommage. Qu'est-ce qu'on retrouve sur le smartphone? Alors, hop, en façade, on va retrouver ici donc le capteur. Donc c'est un capteur frontal de 8 mégapixels qui a une focale de 2,4. Il a un flash intégré, donc ça veut dire que c'est l'écran qui va s'allumer lorsque vous allez prendre la photo. On a ici à côté juste un capteur. On a également ici une grille pour le haut-parleur. Et en bas, on a juste la marque Honor qui est inscrite. Sur la face arrière, plusieurs choses intéressantes. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je vais essayer de faire le focus dessus. Voilà, donc on a deux capteurs photo, donc ce sont deux capteurs de 8 mégapixels, de 12 mégapixels, pardon, qui ont une focale de 2.2. Donc c'est plutôt très très bon. On est capable de filmer en 1080p, donc Full HD en 60 fps, et surtout vous allez voir donc un capteur ici qui va capturer la colorimétrie, donc tout ce qui est RGB, et puis vous allez avoir un capteur monochrome juste à côté. Donc qui va capturer le noir et blanc. Vous avez également ici donc un double flash LED juste à ses côtés qui va vous permettre d'améliorer les clichés dans des conditions un peu de faible luminosité. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Et puis comme vous l'imaginez, comme vous avez pu peut-être le découvrir avec le Huawei P9, ces deux capteurs permettent donc aux photographes d'utiliser une nombreuse palette de filtres et surtout de régler la mise au point après la prise de photo pour configurer un effet de bokeh. C'est un effet un peu si vous avez l'habitude de plan net ou flou. Donc ça, je vous montrerai un petit peu vite fait tout à l'heure comment ça se passe. Voilà un petit peu concernant la partie arrière. On a donc ici une autre spécification qui est le capteur d'empreintes digitales. Et puis ici, on a les informations sur le smartphone et on en retrouve la marque Honor. Sur la tranche supérieure, le tour va être vite fait puisqu'on est sur une tranche, voilà, ici, où on va avoir pas grand chose. On a juste ici le micro. Sur la droite, on va retrouver donc les deux boutons, donc le bouton Power et le bouton Volume. Sur la tranche inférieure ici, hop, on va retrouver donc la prise jack, port micro USB type C et une grille pour le haut-parleur. Et sur la tranche de gauche, on a juste ici le tiroir qui va nous permettre de retirer la micro SIM ou la micro SD. Et puis voilà, on a un petit peu fait le tour. Concernant le design en lui-même, donc je l'ai dit, on est sur deux faces en verre, donc ça lui donne aux courbes 2.5, donc c'est plutôt chouette en termes de design. Alors, vous voyez pas très bien parce qu'ici les conditions d'éclairage sont pas optimales. En tout cas, on a un petit effet ici assez chouette, un petit effet poli de la coque métallique et également du verre, donc ça lui donne un chouette effet. D'ailleurs, qui n'est pas quand même sans rappeler un petit peu l'iPhone que vous voyez également juste à ses côtés. Donc en termes de design, on est quand même sur quelque chose de
qui peut ressembler un petit peu à un iPhone. Ce n'est pas la première fois qu'on compare un petit peu un iPhone avec, avec un Huawei, mais ici on est quand même sur quelque chose du technologie, hein, enfin une conception en verre qui lui donne vraiment un chouette effet, et surtout pour un smartphone au prix où il est, et eh bien c'est plutôt une très très bonne chose. Donc je vais allumer tout simplement le smartphone, donc je vais allumer le bouton power. Donc on va se retrouver eh bien, avec donc, notre écran d'accueil au nord. Donc, je vais essayer ici. Hop. Donc je l'allume pour la première fois, donc il va nous demander plein de configurations, j'imagine. Alors, on va attendre que le smartphone démarre. Donc concernant la partie logicielle maintenant, puisque vous l'avez compris, en termes de caractéristiques, eh bien, on est sur vraiment des choses très très sympas. En termes logiciels, eh bien, on va se retrouver donc avec Android 6.0, qui n'est pas évidemment la toute dernière version d'Android, puisque maintenant vous savez que Android 7.0 Nougat est sorti, mais on devrait le retrouver prochainement sur le smartphone. On se retrouve avec la surcouche Emotion UI, donc qui est une surcouche propre au constructeur, donc à Huawei, qui apporte la particularité notamment eh bien, de supprimer les tiroirs d'applications et d'en faire une interface qui ressemble un petit peu à celle d'iOS avec les différentes applications qui sont disponibles sur différents écrans. Donc là, on va tout simplement le configurer. Donc je vais passer très rapidement tous les paramètres. Ok, on va dire France, c'est parfait. On va ignorer les paramètres Wi-Fi, on va continuer, on va accepter, on va activer, on va ignorer les empreintes digitales pour le moment. Configuration réussie, c'est parfait. Et on se retrouve donc sur l'écran d'accueil. Voilà, c'était très rapide comme vous pouvez le voir. Donc là, on est sur l'écran d'accueil du smartphone. Voilà, donc on peut naviguer à travers celle-ci. Donc vous voyez, on est sur une interface un peu à l'iOS, pardon, avec ces différents écrans où on peut passer d'écran en écran. On va retrouver pardon, toutes les applications. Évidemment, vous allez retrouver donc tout l'écosystème un petit peu de Google, évidemment. Vous allez retrouver également le tiroir d'application, enfin le tiroir pardon, de notification directement disponible. Vous allez pouvoir modifier vos raccourcis, vous allez pouvoir accéder donc aux paramètres. Donc différents types de paramètres que vous avez l'habitude si vous utilisez Android, que ce soit sur une surcouche ou non. On va notamment retrouver donc le style de l'écran sur l'affichage. Vous allez pouvoir définir différents types d'affichage. Concernant la barre de notification, vous allez pouvoir choisir les panneaux de notification, l'afficher, l'affichage du nom de l'opérateur, etc. etc. Je vous conseille de regarder la vidéo du Huawei P9 puisqu'on se retrouve avec la même surcouche. Vous allez pouvoir ajouter l'identification par l'empreinte digitale, l'assistance intelligente, l'écran de verrouillage, ajouter vos comptes évidemment. À propos du téléphone, vous allez avoir les informations. Donc là, on est bien sur 4 Go de RAM. Voilà, on va retrouver donc l'écosystème Google. Comme type d'application préinstallée, vous allez retrouver donc une lampe torche, les fichiers, l'enregistrement sonore, une boussole, une application pour la sauvegarde, pour la boîte à outils. Dans les meilleures applications, eh bien, vous allez retrouver directement des applications au style Facebook, Twitter, Instagram, TripAdvisor. Donc ça, ce sont en fait tous les partenaires de Honor. Sur les jeux, vous allez également avoir une application de santé donc qui va vous permettre eh bien, de suivre un petit peu votre santé, la gestion des téléchargements, des jeux, etc. etc. J'y reviendrai évidemment plus en détail dans une autre vidéo qui sera un peu plus poussée en termes de test. Là, je vais juste vous montrer rapidement sur la photo. Donc voici l'application photo. Allez, on va activer, autoriser. Hop. Voilà, donc là on est donc sur l'application photo. Vous allez avoir différents modes, comme vous allez le voir. Non, c'est pas la galerie que je voulais utiliser, pardon. C'est donc hop. Donc ici, on va avoir le mode photo, on va avoir le mode
Photo Pro, donc tout simplement, et bien comme son nom l'indique, vous allez pouvoir accéder à tous les paramètres, style le réglage de l'ISO, de la sensibilité, de la balance des blancs. Vous allez pouvoir régler tout ça. Vous allez pouvoir passer en mode embellissement, donc ça c'est pour un petit peu embellir un visage. Le mode vidéo pro également qui vous permet de déverrouiller complètement l'appareil. Le mode gourmet, donc ça vous permet eh bien, de prendre la photo d'un plat par exemple. Le mode panoramique, un mode HDR, un mode cliché nocturne, un mode light painting, donc je vous présenterai un petit peu tout ça, timelapse, ralenti, filigrane, etc., etc. Donc vous voyez, vous avez différents modes disponibles. Vous avez également différents types de paramètres, donc choisir la résolution, choisir la grille, le mode silencieux, etc., etc. Et puis on va retrouver également, donc quand je suis en mode photo, vous allez avoir ici différents icônes en haut, donc activer le mode flash, et surtout en fait ce petit icône qui nous permet eh bien, de jouer avec la gestion des profondeurs. Donc je vais essayer de vous prendre une photo, alors je ne sais pas si ça va bien marcher, mais alors attendez, je vais la prendre. Et puis, je vous montrerai juste après. Voilà, donc là, j'ai pris une photo, donc avec le mode. Et en fait, je peux cliquer ici sur ce petit bouton et je peux en fait centrer en fonction de mes objets pour avoir un flou. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais en tout cas, je peux centrer sur la boîte et en fait, je peux également faire du flou derrière. Vous voyez ici, j'ai ma boîte qui est complètement clean. Et derrière, tout est flou. Donc ça, c'est un peu l'effet bokeh tout à l'heure que je vous expliquais. Avec l'effet de flou et de net, vous allez pouvoir jouer comme ceci. Une fois que la photo est prise, grâce au double capteur, eh bien, vous allez pouvoir jouer sur l'effet de profondeur un petit peu de ce dernier. Voilà un petit peu concernant la prise en main de ce Honor 8, donc c'était très rapide, c'était juste pour vous montrer un petit peu celui-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'ai le smartphone en main pendant plusieurs mois, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou très bonne journée en fonction de quand vous regardez la vidéo, et surtout je vous dis à très bientôt sur le blog des nouvelles technologies. Au revoir.